Bonjour, je m'appelle Samuel Morin, je suis étudiant finissant au Cégep Louis-Blouson en technologie de l'architecture. Et voici ma réalisation. M'a demandé de faire le projet de la maison Expo Habitat 2012. C'est qui sait qu'un technologue en architecture, dès le cégep, apprend à faire la conception, les recherches, les relever directement sur le chantier pour faire le projet de A à Z. Pour le projet de la maison Expo Habitat 2012, étant donné que je suis embauché par un entrepreneur général, mon travail, ça a été de faire premièrement une recherche complète pour par la suite faire une conception générale de tout le projet et par la suite faire un suivi du plan pour être sûr que tout soit respecté dans les normes. Le projet a commencé avec des plans au hasard, des esquisses, plein d'essais. Et par la suite, on est arrivé avec un plan qui est final. Donc on peut reconnaître ma signature par la fonctionnalité du plan, par les gestes architecturaux qui ont été faits. Parce qu'un technologue en architecture sait très bien faire un plan architectural, fonctionnel et élégant. Par la suite, on est capable de faire le suivi avec les designers, avec l'entrepreneur et les gars sur le chantier. Pour être sûr que tout soit respecté à la lettre, qu'on vienne tout le temps au point de départ. Qu'est-ce qu'on veut faire connaître? Est-ce qu'on veut faire connaître la philosophie de l'entrepreneur? Est-ce qu'on veut faire connaître la philosophie de la personne qui l'a conçu? Tout doit être pris en compte dans un projet comme celui-là. Pour la maison Expo Habitat 2012, ce que je suis le plus fier, c'est pas le projet en tant que tel, c'est plutôt le résultat que ça a donné avec toute l'équipe. Parce que c'est un résultat d'équipe. Chaque personne a son importance, que ce soit le designer comme l'entrepreneur lui-même. En tant que technologue, on doit apprendre à travailler en équipe avec les designers. Pourquoi ça a été à Louis-Blouson? C'est que dès le départ, lorsque je suis entré dans le département, j'ai vu que tout était complet. Les professeurs qui sont architectes et technologues en architecture savent de quoi ils parlent. Et ça m'a accroché tout de suite. Le genre de personnes qu'on peut retrouver en technologie de l'architecture dans le département, c'est des gens qui sont motivés, qui veulent se dépasser. Parce que si on fait rien que le minimum, vous ne vous démarquerez pas. On apprend le détail, on apprend à être créatif. Parce que la créativité, c'est une chose qu'ils nous apprennent dès le début. Il n'y a personne qui l'a. On le développe au cégep. Et sur le chantier ou directement dans les firmes d'architecture. En technologie de l'architecture, il y a deux sortes de technologues. Il y a les technologues qui sont plus artistes, il y a les technologues qui sont plus concrets. Et parce que les technologues plus artistes, j'en ai parlé tantôt, c'est des gens qui sont là pour être créatifs, pour amener des idées énormément. Les technologues qui sont plus concrets vont être plus amenés à faire des détails, à concevoir la construction en tant que telle, comment ça va se faire, comment ça va tenir en bout de ligne. Dès la première année, on apprend à travailler avec le stylo, avec le papier, pour concevoir. Mais par la suite, on apprend à apprivoiser un logiciel qui s'appelle AutoCAD. Ça ressemble beaucoup à du dessin, parce que c'est ligne par ligne. Et par la suite, on apprivoise un logiciel qui s'appelle Revit Architecture. Ces deux logiciels-là sont faits par la même compagnie, cependant, AutoCAD, comme j'ai dit, est un logiciel pour faire des plans ligne par ligne et Revit Architecture est tout programmé d'avance pour faire la modélisation 3D, donc beaucoup plus avancé. Avec tout ce que j'ai appris au Cégep Louis-Blouson, je considère que je suis très bien formé pour entrer sur le marché du travail. Donc avec l'alternance travail-études, ça m'a permis de pouvoir développer énormément mon potentiel. Comme faire des plans encore plus approfondis que ce qu'on apprend directement au cégep. Parce que chaque firme a sa façon de faire et en faisant ça, on apprend chacune des façons de faire qu'il y a sur le marché du travail. Donc, on n'a pas besoin de décaler une année pour faire ça. On fait durant les études comme on peut le faire durant l'été. La technologie en architecture, c'est une technique qui se fait en 3 ans. Dès la première année, l'ambiance se ressent direct dans le départ d'architecture. C'est comme une grosse famille, puis le terme est faible. La maison Expo Habitat 2012, c'est un projet de travail. Mais ça reste qu'au Cégep Louis-Blouson, à chaque session, on a un projet synthèse pour bien comprendre la matière qu'on a appris.
Et à la fin de la technique, notre projet synthèse est présenté lors d'un vernissage. C'est le plus gros projet qui réunit tout ce qu'on a appris durant les années qu'on a passé là. Le taux de placement en technologie de l'architecture est de 100%. Les entreprises, que ce soit en structure, en conception, en film, même les firmes d'architecture, les entrepreneurs cherchent des technologues en architecture parce qu'on est capable de tout faire, que ce soit au point de vue gérance, plan, conception. Dans le fond, les étudiants en technologie de l'architecture sont très polyvalents et on est très recherchés. En technologie de l'architecture, si on veut poursuivre l'université, on peut aller en ingénierie civile, comme on peut aller en administration directement dans la construction, ou encore comme architecte. Toutes les opportunités sont bonnes. Il y a énormément de chemin après la technologie. Si vous êtes intéressé par le domaine de l'architecture, venez nous voir au département de l'architecture. On va vous conseiller et sur toutes les opportunités que vous pouvez avoir.